L'église de la Vierge du Palmier, qui porte le nom de la protectrice de la ville, est située dans la périphérie de la zone ancienne de Palmarigi. Sa première construction remonte à la nuit des temples, mais elle a été église paroissiale jusqu'en 1569. Elle a été reconstruite en 1751, probablement à la suite d'effondrements. L'église se compose d'une façade extérieure très sobre où le seul élément décoratif important est la grande fenêtre encadrée par des niches contenant les images sacrées de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et de Saint Nicolas. La porte d'entrée est très ample. Sur l'architrave, il y a une épigraphe contenant la dédicace et l'année de construction de la chapelle. L'intérieur de l'église est petit avec une seule nef rectangulaire qui présente une couverture d'élégante voûte en étoile, embellie par des décorations raffinées. L'autel majeur en style rococo frappe pour ses beautés et présente au centre un ancien dessin de la Vierge du Palmier. Entièrement réalisé en pierre de Lecce, il est décoré avec des statues et des décorations de grande valeur artistique qui les rend bijoux observés dans tous ses détails. La statue de la Vierge et l'enfant flanque les statues de Saint Thomas d'Aquin et Vincenzo Ferreri.